4 habitudes à mettre en place pour percer dans le football. Coucou, salut, salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. L'URES, on m'appelle, bienvenue sur l'une de mes chaînes. La première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo, maximum, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification là, dès que je mets en ligne de nouveaux contenus. Vous êtes rapidement informé. Ici, on conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Vous partagez cette thématique, vous savez ce qu'il y a à faire. Dans cette vidéo, il s'agira de 4 habitudes à mettre en place pour percer au football. Donc, restez scotchés du début jusqu'à la fin. Première habitude, c'est venir 40 minutes avant la séance d'entraînement. Si vous avez une séance d'entraînement à 16h par exemple, vous devez être là au plus tard à 15h20 déjà, vous devez être là et ça vous permet de prendre vos marques, de savoir ceux qui viennent et ça fait toujours de bien. Ça fait toujours de bien de savoir ceux qui viennent à l'heure et qu'est-ce qui s'est passé avant le début de la séance. Sinon, quand vous venez à 5 minutes avant la séance, vous allez vous presser pour vous habiller rapidement. Alors que quand vous êtes en retard, on vous défalque bien sûr de l'argent ou bien bon, le coach dit tout simplement que vous n'allez pas vous entraîner. Donc 40 minutes avant le début de la séance d'entraînement, vous devez être présent sur le terrain. Déjà, tu peux planifier ta semaine qui va commencer le lundi, c'est-à-dire quoi manger, comment manger, quand s'entraîner et vous planifiez toute la séance, c'est pas à la veille de chaque séance ou bien le jour de la séance. Si vous commencez pas à faire des plannings, vous planifiez toute votre semaine. Là, vous savez la charge de travail qu'il y a et vous savez ce qu'il y a à faire. Et ça vous permet d'être en avance et ça vous permet d'être éclairé dans la tête. Moi, quand je vais entraîner des footballeurs et ils n'ont pas leur bouteille d'eau, je les renvoie automatiquement. Je leur dis de rentrer à la maison parce que ce que vous aurez bien sûr à perdre en termes de sueur, en termes de trucs là, vous devez remplacer tout ça là en termes d'énergie. Vous devez remplacer par l'eau. C'est pourquoi il faut avoir de l'eau à côté, votre goutte d'eau. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas vous entraîner avec moi. Donc, c'est une très bonne habitude. Toujours avoir de l'eau à côté. Si vous vous alimentez très bien, votre carrière va durer. Vous pouvez jouer jusqu'à 35 ans, 40 ans même. À l'image de Luka Modric et consorts. Maintenant, si vous ne vous alimentez pas bien et vous avez une mauvaise hygiène de vie, en tout cas, bonjour les dégâts. Déjà à 25 ans, 26 ans, c'est des blessures passées par là et votre carrière ne va pas faire long feu. Donc, l'habitude alimentaire, elle est très, très capitale, vous voyez. Elle est très, très capitale. Et pour atteindre l'excellence, bien sûr, ce n'est pas une question d'âge, mais une question d'habitude. Donc, ayez de très bonnes habitudes pour avoir une carrière footballistique optimum, pour avoir une très belle carrière footballistique. Donc, je récapitule les 4 habitudes qu'il faut avoir en tant que footballeur pour pouvoir percer. Il faut bien sûr venir aux séances d'entraînement 40 minutes avant le début de la séance. Deuxième habitude, planifier toute votre semaine. Ce n'est pas les jours d'entraînement. Il faut commencer par faire des plannings. Bon, il faut commencer par faire ci. Non, planifier toute votre semaine. Quoi manger, quand manger et comment manger aussi. Et troisième habitude, avoir toujours une bouteille d'eau à côté. Quatrième habitude, bien sûr, ce sont les habitudes alimentaires. Savoir quoi manger si vous voulez que votre carrière dure. À l'image de Luka Modric, vous savez ce qu'il y a à faire. La balle est dans votre camp. C'était moi, bien sûr, le reste. J'espère que vous avez apporté quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Si je vous ai apporté quelque chose de nouveau, likez, partagez, abonnez-vous. Peace.